Bonsoir, chers élèves, spécialement aux élèves de SES, chers professeurs et particuliers. Donc, nous vous présentons, n'est-ce pas ça, une nouvelle vidéo. Cette vidéo, donc, se base sur la première partie du texte modèle Physique 2024 pour les élèves de SES. Ah ben, nous allons laisser moyen ça, chers élèves. Pas oublier que nous disons ça bien. Bon, Chanel Cap, prouver ça n'a pas fait. Donc, exactement ça nous fait, après ça nous va le faire. Donc, nous allons demander à chaque professeur qui veut les documents de mécanique NS3 NS4 là, écrit-nous sous numéro ça. Et qui c'est 4462, ouais, 4462-0998. Et après, nous allons mettre en contact avec secrétaire Nouan, d'accord? Nous allons mettre en contact avec secrétaire Nouan aussitôt que vous pourrez faire nous connaître, puis nous allons mettre en contact avec secrétaire. D'accord? Nous avons un numéro qui n'est pas un numéro PAM, qui est un numéro mon cash même, et qui est là pour recevoir l'argent chaque professeur, vous voyez. Donc ça se fait à partir du secrétaire que nous gagnons. Pas bien que nous gagnons staff, et nous gagnons staff parce qu'on est. C'est aussi et une occupation donc par rapport avec occupation mobile crayon staff donc on sait du bagaille donc lorsque il y a fête donc ça passe nous obligé passer par staff là d'accord et d'autres choses qui ça nous va le faire donc nous allons passer à la correction de alors des questions de cours et surtout de la première partie du texte modèle physique 2024 pour les élèves de SES. D'accord? Et écris-nous sur 4419-98 pour toute information. Et donc, voici les questions de cours. Voici les questions de cours pour les élèves de SES. On a tout répondu sans perdre, sans, ouais, ne pas perdre du temps. On a tout répondu. La grandeur qui caractérise l'ensemble des lignes d'éduction à travers une surface s'appelle le flux magnétique. D'accord? Et son unité de mesure est le Weber. Donc ça, c'est unité flux magnétique. Flux d'éduction magnétique. La roue de Faraday met en évidence quel phénomène? C'est le phénomène d'éduction électromagnétique. Donc c'est ça. Et la roue du ballon est une application de quelle loi? De la loi de la place. L'inverse de la capacité équivalente à un ensemble de condensateurs disposés en série est égal à quoi? Est égal à la somme des inverses. Donc, puisqu'on dit des inverses, il faut remettre S ici. Alors, on fait S moins bien. Des inverses des capacités de ces condensateurs. Quatrième question. L'impédance d'un circuit, excuse-moi, c'est mégé. L'impédance d'un circuit est le rapport de la tension à ses bornes par le courant qui le traverse. D'accord? Donc c'est ça l'impédance. D'autres choses, dans un mouvement rectiligne uniforme accéléré, la valeur du vecteur vitesse est, comme on a vu des slides lorsque le mouvement rectiligne uniforme accéléré. Donc la valeur du vecteur vitesse est comment? Est variable. Elle dit vitesse l'en varier. D'accord? Mais, et ça que nous relie, et vecteur accélération, comme accélération, l'accélération est, ouais, le vecteur accélération est constant. Ouais, si on dit la valeur du vecteur accélération, on dit constante. Puisque on dit le vecteur vitesse, alors le vecteur accélération est constant. Ou d'accord? Donc, c'est ça. C'est seulement ça, nous avons gagné pour nous répondre. Après ça, on a continué avec la première partie, hein, comme nous t'ai fait. Donc, moi, c'est de parler avec plus de rapidité parce que et dès demain, on a bien un jour de congé. Dimanche, on a bien un jour de congé. Nous allons plus rapide. D'accord? Pour nous capables d'entrer dans la mathématique. C'est comme ça, nous avons fait l'année ça. Et avant, on t'a proposé, avant le ministère de l'Anté, vous avez encore partagé l'examen ça avec nous, qui est l'examen blanc. Yo. Donc, nous t'avons dit bien avant, nous allons commencer. Et prend feuille, traiter feuille.
On comprend traiter faire yo de A à Z. Donc c'est ça nous commence à faire là. Donc nous souhaitons faire ça exactement pour SMP SVT, nous pouvons faire la même chose pour SES en mathématiques et en physique. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt chers élèves. Attendez bien. Les élèves du SES, question de cours ça est important pour nous. Attendez bien, question de cours ça est important pour nous étudier, d'accord? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao, chers élèves. Ok, allez.